où l'on va suivre en première position Anna Bessonova, l'Ukrainienne. Une concurrente qu'on n'a pas trop vue pour l'instant. Il faut dire que ce sont les meilleurs qui se partagent les honneurs avec Kabaeva qui a déjà empoché 3 médailles d'or et une médaille de bronze, concours général, cerceau et ballon pour l'or et puis la corde lui a permis d'obtenir le bronze. Raskina, elle aussi, a obtenu 2 médailles d'argent déjà. Barsukova, 4 médailles, un titre et 3 médailles de bronze. Serrano, une médaille, mais quelle médaille? La médaille d'or. Et puis Yerofeva avec la médaille d'argent à la corde. On va voir si Eva Serrano peut prendre une deuxième médaille puisqu'elle est aussi présente lors de cette finale. On suit l'Ukrainienne, cinquième des qualifications avec 9,950. De la jeune Anna Bessonova, l'une des étoiles montantes côté ukrainien, une école ukrainienne qui déjà nous propose de très belles championnes. Et la relève est assurée. On a quand même l'impression, lorsqu'on regarde les nations, que d'avoir un passeport russe, ça aide quand même au niveau des notes. On s'en rend compte avec Kabaeva, qui est pas loin de réaliser un parcours parfait, mais à chaque fois, le sort a tourné un petit peu en sa faveur. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des 10, elle a des vrais 10, entre guillemets, qu'au concours général individuel, elle a quand même été, sinon surnotée, en tout cas bien aidée par le jury. Bref, elle a la cote, un petit peu moins pour Anna Bessonova, 9,966.